Alors t'as fait de ma bouche. Tu souris trop fort. J'ai trop de salive dans la bouche, ça me dégoûte. Pourquoi ça part en reverse? Je sais pas. Oh c'est. Oh là, ça perturbe vraiment là, on peut pas enlever ça. Au pire si tu veux je retourne l'écran. Ouais mais j'ai pas regardé, t'inquiète. Tu vas pas écouter. Yes. Ah, moi j'ai pas ce problème avec la casquette. Il y avait... Ouais on arrêtait pas de. Enfin. Oui, il arrêtait pas de regarder le retour. Je suis novice, hein. Non, tu sais que je vais quand même retourner. Tu vas retourner? Ouais. Oh, mais ça va être bizarre de pas... Ok. On n'a pas besoin de regarder, vraiment. Ok. Attends, je vous présente quand même le truc. Bon. Yo les gens, Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec mon frère, donc Adrien. Faut que je retrouve mes mots. Je vous avais dit que j'avais deux frères, donc j'ai un grand frère et un petit frère, donc lui c'est mon grand frère. Donc je lui ai demandé aujourd'hui de venir choisir dans ma collection de sneakers, hein, ses 5 sneakers préférés, et je vais vous proposer des petites tenues avec ça. Voilà. Ok, la chaussure que je préfère. Du coup ma préférée c'est la Sakai. T'inquiète. Le c'était mieux. Ouais, j'ai remarqué, il faut pas que je me retourne trop parce que là, en fait, j'ai des gros boutons dégueulasses. La première, on m'a pris toute mon énergie. Okay. Je suis mou. Okay. Du coup, ma préférée, c'est la Nike Sakai. C'est vraiment un bijou, quoi. Déjà, elle est vraiment hyper flashy. Enfin, j'étais vraiment pas trop fan de cette chaussure au début. Enfin, de cette couleur, pardon. Je voulais vraiment la bleue. J'espère toujours la voir d'ailleurs un jour. Avant lui, parce qu'il prend toujours les chaussures avant moi. Il a porté directement. Je me suis dit, ah oui, elle a vraiment quelque chose, quoi. Elle est vraiment hyper belle. J'insiste, je pense vraiment que la bleue, c'est la meilleure, quoi. Elle est magnifique, la bleue aussi. La bleue est magnifique. Le vert, c'est ce vert là qui est trop magnifique. Tiens, je suis obligé de regarder, de rester comme ça, tu vois, de pas Du coup, la vert, oui. Si je pouvais lui prendre une chaussure dans la collection, là, moi, je prendrais toutes, mais je prendrais en priorité celle-ci, quoi. Ah, genre vraiment toutes, il y a toutes que tu kiffes. En vrai, franchement, genre, il y a aucune que je dis non, je prends pas, tu vois. Ah ouais. Ensuite, en deux, bah, justement, la RSX Toys, Puma, qui revient très bien, parce que moi, je trouve qu'il avait vraiment une période où c'était un peu creux, tu vois. Ouais. Moi, franchement, je trouve qu'ils sont grave sous-côté en ce moment. Pas sur les 10 dernières années, quand tu regardes, il y avait pas beaucoup de belles chaussures, tu vois, je trouve. Oh, tu sais, moi, ça fait pas longtemps que ouais, ok, mais moi, je trouve qu'il y avait pas de très belles chaussures, alors que bah, c'est peut-être 2 ans cette chaussure. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Donc là, je vais complimenter Quentin encore. J'étais vraiment pas fan de cette chaussure à la base. Après, il m'avait montré sur une photo. Il a la barbe que j'ai pas là. Il avait montré sur une photo Insta et enfin j'étais vraiment pas trop fan. Tu sais que quand il l'a acheté, il a commencé à porter, je me suis dit ouais ok, elle a quelque chose quoi. Enfin j'aime bien porter genre des pantalons de couleur neutre, pantalons noirs, et tu portes ça avec en bas et ça élimine vraiment ta tenue quoi. Enfin, j'adore, vraiment j'adore. Donc boum pour la numéro 2. Ça pop, voilà ça pop. Troisième, du coup. Vraiment à chaque fois je revois en fait j'hésite, c'est entre les. Tu vois, celle-ci ou celle-ci, ouais. Non, pour moi, il n'y a pas photo, par contre. Non, ouais, c'est vrai, non, c'est vrai que... L'autre est beaucoup plus polyvalente, je trouve. Mais ça me fait mal de dire, c'est que la Yeezy, là. Ouais. C'est la Yeezy, hein. Bref. Ouais. Bon. Attends, putain, je suis trop tenté. La Yeezy 700, du coup. Je suis pas du tout un fan de Yeezy. Genre, pas du tout. Que la vache, c'était la 350. Il disait que, bon, il arrêtait pas de me dire qu'il arriverait à me faire aimer la Yeezy 350, mais j'aime toujours pas. Dans très peu de temps. Non. Bon, on verra, mais... Enfin, voilà, en fait, le problème avec la Yeezy 350, parce qu'on faut en parler, Oui, bien sûr. Avec un jean, ça rend pas bien pour moi. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, avec un jean... Un bas avec... ajusté en bas. Voilà, bas très fin en bas. Ouais. Parce que quand t'as une chaussure où t'es trop limité comme ça pour les bas, moi j'ai du mal, tu vois. Mais après, faut dire que dans des tenues que tu peux mettre avec cette paire, ça rend vraiment bien de ouf, tu vois. Ça rend bien. je suis pas trop fan des Yeezy, hein. mais bon, mais celle-ci par contre, je valide fort quoi, parce que le bleu, ça a toujours été, c'est toujours ma couleur préférée. Donc, l'exception du bleu et du gris, j'adore, franchement, je trouve ça toujours top. C'est coloré, pour avec un bas clair ou un bas sombre, ça pop. Ouais, ça pop. Ah ouais. Ça pop. Ouais, voilà, donc numéro 3. La 4, ça fait mal de parler de cette chaussure parce que, en fait, il l'a eu avant moi. Comme beaucoup de chaussures d'ailleurs, parce qu'en fait, c'était vraiment une chaussure que je voulais. Bon, elle date un peu maintenant, mais bah, je dis toujours pas d'ailleurs, mais bon. Et il a pris avant moi, quoi. Et en fait, moi, je suis un grand fan de Nike, donc c'est ça qui m'avait fait très mal aussi. En plus, j'ai pris à l'époque, t'étais plus un fan de Adidas, non? Voilà. Donc voilà. Il a pris une Nike vraiment magnifique avant moi, enfin, alors qu'il était fan de Adidas. Ça fait mal. En fait, moi, ça me dérange pas qu'on ait les mêmes chaussures maintenant. Voilà, moi ça c'est un problème aussi, on peut en parler aussi. Parce que ça a toujours été moi. Toi, je sais même pas si c'était vraiment un problème pour toi ça. Moi, c'était plus pour les vêtements en fait, à l'époque. Voilà, bon, bref, moi pour les vêtements et les chaussures, on peut pas prendre les mêmes habits, les mêmes vêtements, les mêmes chaussures. Genre, on peut pas. Clairement, on peut pas, tu vois. Déjà, en plus, les gens ils pensent qu'on se ressemble. Tu vois, et. Non, enfin, on peut pas faire ça du coup. Encore le jean, on peut. On a d'ailleurs.
Ouais, un même jean. Je sais plus si on l'a encore d'ailleurs. Moi j'ai encore, moi en tout cas j'ai encore. Mais les chaussures, genre on peut pas. Après le problème c'est qu'il va vite chercher les chaussures parce que même la sacaille bleue il risque de l'avoir avant moi. Bon, ouais. Ah ouais, c'est dans mes prochains cops ça. Faut que j'achète avant. De toute façon, si tu l'achètes, je la prendrai après. Nike Air Max 1. Mm. Du coup, moi ce que je kiffe, c'est que ouais, j'avais parlé du bleu sur la Yeezy 700. C'est, enfin, le bleu c'est vraiment ma couleur préférée, mais depuis genre 2-3 ans, genre le beige est vraiment. Ouais, c'est, ça arrive juste en dessous du bleu quoi. Genre. Ouais voilà, moi je kiffe vraiment le beige. Et en fait la sensation du beige et du... Bon là on va avoir le débat hein, mais pour Quentin ça c'est du Bordeaux. Ouais. Pour moi ça c'est pas du Bordeaux, pour moi ça c'est du orange foncé. Vous allez peut-être dire que c'est la même chose, mais pour moi non. Le Bordeaux c'est plus... ça tire un peu vers le violet. En fait c'est pour moi c'est la couleur qui se rapproche le plus, c'est ça à laquelle je peux l'identifier en fait, c'est juste ça. Du coup on va l'appeler orange foncé, hein. Orange très foncé c'est pas... Orange très foncé et le beige pour moi c'est vraiment super. Ensuite, enfin j'ai que le mot anglais qui vient, la shape, bref. Non, moi je dis shape aussi. Ok, bref. La forme, shape. Ça le fait pas. Ok, ah. Shape alors. La non, vrai, à vous ça le fait pas, forme. Ouais, forme non. Ouais. Shape vous, ouais. Ouais, la shape. Bon. La shape, franchement, je trouve qu'elle est, enfin, elle est vraiment parfaite, comme ça, avec vraiment tout, avec un jean, un jogging, jogger pants, enfin. Comme je disais aussi, genre j'étais pas trop fan de ce style avant, mais même avec un bas de costume, je trouve que ça va très bien en fait. Enfin, c'est à ce niveau-là que je trouve qu'elle est vraiment très bien, cette chaussure quoi. Mm. Ok, Last one. Reebok. Mm-hmm. Bam. Bam. Parce que franchement, ça pop comme tu dis, tu vois. Enfin, elle est hyper flashy, lui met toute la tenue, ça, on voit que toi quoi. Mm. C'est pour ça que je kiffe vraiment cette chaussure. En plus, c'est une de tes récentes acquisitions, non? Mm-hmm. Ouais, donc j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Et ouais, Reebok aussi, je trouve que c'est assez ce côté. Ouais. Beaucoup, tu vois. Bah, pour le coup, à part cette paire et la paire que j'ai achetée genre il y a un an, il n'y en a aucune que j'ai vue réellement. Je sais pas si t'en as vu ton. Pas forcément sneakers, mais Reebok en général, moi je calcule pas. Moi chaque année j'arrive à trouver quand même des Reebok assez stylés, tu vois. Ah ouais, ouais, bah, ouais. Donc ouais, voilà. Voir mon top 5. Bah Oui. Du coup les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez revoir mon frère dans une autre vidéo. Moi j'aimerais trop qu'il revienne parce que je lui ai demandé plein de fois déjà. Ça fait depuis le début de ma chaîne que je veux qu'il vienne sur ma chaîne en fait. Ça aurait dû être le premier invité. Mais bon, il y a eu les aléas de la vie, les circonstances de je sais pas. Je suis pas toujours là aussi, hein, c'est un truc. Ouais. Maintenant je suis plus souvent, mais là-bas j'étais pas là. Ouais c'est clair. Et surtout maintenant qu'on est confiné, normalement on va pouvoir en faire plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de le revoir dans une autre vidéo. Bon, en tout cas ça sera avec plaisir que... Je l'accueillerai, je crois que ce sera avec plaisir qu'il viendra aussi. Yeah. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Des tenues. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bien vous porter. Et tchuss. Salut.